Yo tout le monde, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost sur la map Octane en domination 6v6. Donc dans cette partie je t'accompagne de Furox, D-Block, Ciso, il y avait qui d'autre? Il y avait enfin au pire vous verrez dans la barre des feeds. Donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une KEM, donc cette fois avec une arme différente. Donc on se retrouve pour une KEM à la Remington R5 ou R6, je sais plus si c'est R5 ou R6. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer le gameplay. Donc elle est assez rapide, je pense, elle est en environ ouais, 4 minutes, 35 minutes, donc c'est pas trop mal on va dire. Donc c'est pas un gameplay en soutien où tout le monde jouait pour moi, on tentait tous la KEM dans la partie. De toute façon les gameplays en soutien, je les tente pas tout de suite. Genre les gameplays où on bloque les spawns, tout ça, franchement, comme avait dit Xenon dans une de ses vidéos, il espérait que le support démarre le plus tard possible. Et je suis assez d'accord avec lui parce que après ça va un peu pourrir la YouTube, tout simplement, parce qu'il y a les ricains, après ils vont bloquer les spawns, ils vont faire des KM en 30 secondes, 40 secondes, donc ça va être un peu. Ça va être un peu chiant quoi, parce que après, franchement, je trouve qu'un gameplay solo c'est vraiment plus méritant, j'ai envie de dire, qu'un gameplay en soutien. Même s'il y a des gameplays en soutien qui restent vraiment très très jolis, comme la nucléaire de Globos par exemple en 44 secondes qui était vraiment magnifique, c'était du soutien. Il bloquait les spawns pour lui, mais c'était un bon gameplay. Après, voilà, il y a des gens qui aiment pas trop le soutien. Moi, c'est vrai que j'aime bien jouer en groupe comme ça, mais que personne joue en soutien. Genre, on essaie de bloquer, enfin on bloque pas un spawn, on essaie de, comment dire, par exemple dans cette partie on leur a laissé C et voilà on spawn killé un peu sur C, mais genre il y avait personne qui bloquait les spawns ou quoi que ce soit. Ah oui, il y avait Monsieur Code 68 Pro, ouais j'avais oublié au passage. Ouais, on était 5, ouais on était 5, donc on tentait tous là quand même comme je vous ai dit. Et Monsieur Code 68, wow, Monsieur Code 68 Pro est mort à 19 je crois, ou non à 22 pardon, il est mort à 22 si je me souviens bien, donc dommage pour lui, on aurait pu faire la double KM en une seule partie, c'est vraiment dommage. Donc là vous avez pu voir que je suis un spécialiste depuis tout à l'heure. Donc je vous décris un peu ma classe. Donc Remington, comme j'ai dit, silencieux chargeur grande capacité. En atout j'avais comme d'habitude tour de passe-passe, tracker, as de la gâchette, fin prêt, pillard, et voilà, donc 5 à 2. Et en truc là, en spécial, j'avais détermination, concentration et œil de lynx. Et en autre truc, j'ai dû mettre, je pense, silence de mort, des trucs comme ça, amplification pour écouter les bruits de poids comme un gros porc. Enfin, surtout quand les mecs marchent comme des gros porcs, parce que moi je m'entends presque pas. Là au passage, j'ai eu un gros bug, hein, j'avançais dans le vide. On se demande pourquoi. Là au passage, ouais, je sais plus, il y a un moment, je vais avoir super chaud. C'est vers cet endroit là, genre il va y avoir deux ennemis sur ma gueule, je vais gérer les deux en même temps, ça va être super chaud. Donc voilà, voilà. J'espère que les gameplays vous plaisent en ce moment, c'est vrai que je propose... je suis assez fier du contenu que je propose en ce moment. Voilà, je propose des plus de 70 kills spécialistes quand j'ai pas de KM en stock. Mais là, croyez-moi, pendant la semaine vous allez bouffer de la KM parce que j'en ai vraiment... enfin, j'en ai un peu en stock. Donc là, je vous propose ma deuxième que j'ai en stock. J'en ai encore 4 en réserve, vu qu'il y a encore 4 jours de suite où vous aurez de la KEM. Donc c'est ça que j'aime bien proposer sur ma chaîne, c'est une vidéo par jour. Ça me fait vraiment plaisir de mettre une vidéo par jour. Parce qu'au moins, je pense qu'il y a des gens qui sont un peu comme moi, genre qui aiment bien regarder les vidéos vraiment tous les jours. Voir des vidéos, genre le mec qui joue une heure, après il en a un peu marre de Call of, alors il regarde une vidéo... Il regarde des tutos, des massacres, tout ça. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu dans le même cas que moi. Et voilà, je pense que ça peut faire plaisir aux gens d'avoir plusieurs vidéos par semaine. Donc moi, 7 par semaine, vu qu'il y a 7 jours dans une semaine. Une vidéo tous les jours, donc voilà. Beaucoup de gens m'avaient déjà dit que c'était super bien que je fasse une vidéo par jour. Bah franchement, je vais continuer. Quel bug. Tant que j'aurai du gameplay, bah franchement, il y aura une vidéo par jour, hein, tout le temps et tout le temps. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, enfin j'espère que ça vous plaît. Au passage, on va bientôt atteindre les 800 abonnés, donc je suis vraiment content. J'ai vraiment gagné beaucoup d'abonnés
grâce à la Unity Clan, donc la team performance que j'ai rejoint récemment. Donc je voulais les remercier parce que franchement j'ai gagné 90 abonnés là en à peine 1 ou 2 semaines, donc c'est vraiment énorme. Donc franchement voilà, encore merci à eux. Et n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Enfin je sais pas si vous avez vu mes autres gameplays sur la Unity Clan. Vous les avez peut-être vus, je sais pas. Enfin, il y a des gameplays de moi qui sont sur la chaîne, qui sont sur la Unity pour ceux qui les ont pas vus. Après, voilà, franchement, vous pouvez regarder toute ma chaîne, il y a plein de vidéos. J'en ai mis environ 80. On approche des 100 vidéos sur ma chaîne à peu près. Là, je suis à 97, 98. Donc, franchement, on est pas loin des 100 vidéos. Je suis vraiment content. L'aventure YouTube me plaît pour l'instant. Je suis pas dégoûté. Comparé à des gens qui ont quitté YouTube justement parce que bah là au passage j'obtiens quand même les gens qui étaient dégoûtés des abonnés des fois qui insultaient le YouTubeur tout ça franchement c'est je peux comprendre qui démissionne on va dire mais là au passage le mec qui m'a pas tué j'ai pas compris là aussi il y en avait un autre enfin bref je comprends qu'il démissionne on va dire donc voilà. Donc là, je vous ai coupé le gameplay, j'ai mis le même moment où je lance ma KM. Donc là, je fais 2 frags, je lance la KM. Et voilà. Donc c'était Blackbird HD, j'espère que le commentaire vous a plu. J'ai commenté toute la vidéo, donc j'ai essayé de vous faire plaisir. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, demain pour une nouvelle KM. C'était Blackbird HD, n'oubliez pas de laisser un like et un commentaire, ça fait super plaisir. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.